Depuis 1984, Naughty Dog ne cesse de marquer l'histoire du jeu vidéo. Que ce soit par l'impressionnante qualité des jeux de la firme dans les années 80, alors que Andy et Jason n'étaient même pas majeurs, ou que ce soit depuis le milieu des années 90 avec leurs grosses productions. Crash Bandicoot, Jack and Dexter, Uncharted, The Last of Us, depuis son premier gros contrat avec Universal en 1994, jamais les Dogs n'auront fait un pas de travers. En 35 ans, Naughty Dog, c'est 19 jeux et 9 licences, et l'attente autour de leur 20e jeu est insoutenable. Nous allons revenir sur une période de 16 années de l'histoire de Naughty Dog, de 1996 jusqu'à 2012, et parler des jeux de Naughty Dog qui sont sortis sur le marché et qui pourtant ne sont pas de Naughty Dog. En 1996, Naughty Dog est en contrat avec Universal Interactive Studio pour sortir 3 jeux sur PlayStation. Il s'agit bien entendu de Crash Bandicoot. Le premier opus en 1996 sera un énorme succès et parviendra à hisser Crash au rang de mascotte de la PlayStation. Une aubaine pour Sony qui ne croyait pas franchement au succès du marsupial. Dès 1997, Naughty Dog enfonce le clou avec Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ce dernier parviendra à faire encore mieux que le premier opus et à faire de l'ombre à un certain Mario du côté de Nintendo. A partir de ce moment-là, Sony va couver sa petite mascotte et s'investir dans le développement de Crash Bandicoot 3 Wrapped en 1998. Devant cet énorme succès, Naughty Dog va en toute logique enquiller pour un nouvel opus. Mais ce n'est pas du goût d'Universal qui souhaite tout arrêter et exploiter seul sa poule aux œufs d'or. Après quelques négociations avec PlayStation, Universal accepte et le développement de Crash Team Racing débute en 1999. Et après la sortie et le succès de CTR en fin d'année 1999, Universal ne renouvellera pas son contrat. La firme va vouloir faire cavalier seul, ainsi Crash Bash ne sera pas un jeu Naughty Dog. Sony Computer Entertainment parviendra à négocier l'édition du jeu, mais c'est Eurocom qui s'occupera du développement en 2000. Après quoi, ni Sony ni Naughty Dog ne parviendront à remettre la main sur Crash. Car oui, beaucoup pensent que Crash appartenait à Naughty Dog et que Sony a décidé de vendre la licence, mais en réalité, non. Ni Sony ni Naughty Dog n'ont jamais possédé Crash Bandicoot. Depuis la création du marsupial en 1995, c'est Universal Interactive Studio qui est le propriétaire. Et aujourd'hui encore, indirectement, puisque Universal est devenu par la suite Vivendi et que Vivendi a fusionné avec Activision en 2008 et qu'aujourd'hui, Crash Bandicoot appartient toujours à Activision. Après la sortie de Crash Bash, lorsque Naughty Dog et PlayStation seront loin du développement des jeux, la licence va peu à peu sombrer. Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex, Crash Nitro Kart, Crash Tag Team Racing, Crash Twinsinati, Crash Génération Mutant ou encore Crash of the Mutant, ils étaient tous des jeux qui n'avaient rien à voir avec Naughty Dog. Et ils ont contribué à la descente aux enfers de notre petit marsupial. Depuis 2008, Crash est en repos. Plus aucun nouveau jeu n'est arrivé. En 2016, Activision décide de remettre le marsupial sur le devant de la scène avec une apparition dans les Skylanders. En 2017, Crash Bandicoot renaîtra de ses cendres avec Crash Bandicoot Ensign Trilogy. Cette année, tous les regards sont tournés vers Crash Team Racing Nitro Fuel, le remake de CTR qui est tellement attendu. Est-ce que le succès de ces deux derniers remakes permettront à Crash d'avoir un nouvel opus inédit? On l'espère, et on espère surtout que ce sera un opus de qualité. 2001, pour éviter d'investir de nouveau de l'argent dans une licence qui finira par leur échapper, Sony rachète Naughty Dog. Désormais, l'ensemble des jeux développés appartiendront aux Dogs et à PlayStation, et ce premier jeu sera Jak and Dexter. Entre 2001 et 2005, Naughty Dog développera 4 opus de Jak and Dexter qui seront particulièrement bien reçus sur PS2. En 2005, la PS3 commence déjà à pointer le bout de son nez. Naughty Dog vient de connaître un gros bouleversement avec les départs de ses deux fondateurs mythiques, Andy Gavin et Jason Rubin. Ils ont ainsi choisi Evan Wells et le français Christophe Balestra à la tête du studio pour les remplacer. Pour la première fois de son histoire, Naughty Dog va travailler sur 2 projets en même temps dès la fin d'année 2005. Le Big Project pour la PS3 et un spin-off de Jak and Dexter sur PSP. Et c'est un certain Neil Druckmann, directeur créatif de The Last of Us, qui va être placé à la direction du projet Jak and Dexter sur PSP. A l'époque, Neil Druckmann était stagiaire chez Naughty Dog et son dur labeur finissait par payer en devenant directeur d'un projet. Pendant plusieurs mois, Naughty Dog divisera son studio en 2 équipes pour développer leur premier projet PS3 et leur premier projet PSP. Mais au bout de quelques mois, le studio est en grande difficulté. De nombreux employés démissionnent, les tensions au sein du studio sont trop fortes et Naughty Dog décide d'annuler le projet Jak and Dexter sur PSP. Toutes les équipes sont ainsi placées sur le Big Project, sur PS3 dès 2006 et le jeu sortira finalement en décembre 2007. Ce jeu, c'est Uncharted Drake's Fortune. Entre temps,
Sony a positionné un de ses studios sur un jeu particulier. Le studio en question est Ready at Dawn et le jeu en question est Daxter. Le jeu arrivera sur PSP et sera un spin-off qui se positionne au début des péripéties de Jack II hors la loi. On contrôle ainsi Daxter pendant que Jack est en prison. Le jeu sera assez bon et assez fidèle à l'œuvre originale et malgré les apparences, non, Daxter n'est pas un jeu Naughty Dog. Pour ce qui est du Jack & Daxter annulé pour Uncharted, il est finalement confié aux équipes de High Impact Games en 2007. Le jeu sortira 2 ans plus tard sur PSP et PS2. Il s'agit de Jack & Daxter The Lost Frontier. Un jeu qui sera loin d'être à la hauteur des 4 jeux développés par Naughty Dog. Mais là encore, ce jeu-là n'est pas un jeu Naughty Dog. Après l'immense succès de Nathan Drake sur PS3, les Dogs se remettent en selle pour livrer le meilleur jeu de l'histoire du studio à l'époque. Il s'agit d'Uncharted 2. Viendra ensuite Uncharted 3 en 2011. Cette année-là, Sony souhaite préparer l'arrivée de la PS Vita prévue pour début 2012. Mais en 2011, Naughty Dog ne peut pas se permettre de travailler sur 3 jeux. Car oui, début 2011, Naughty Dog est sur le développement d'Uncharted 3 et de The Last of Us. Ainsi, Sony va une nouvelle fois faire appel à un autre de ses studios. Bend Studios s'occupera ainsi du développement d'Uncharted Golden Abyss sur PS Vita, qui sortira finalement en février 2012 pour la sortie de la console. Tout comme Daxter 6 ans plus tôt, sur PSP avec Ready at Dawn, Uncharted Golden Abyss respecte très bien l'univers et l'ambiance de la série de Naughty Dog, cependant il manquera quand même un petit quelque chose. Et là encore malgré les apparences, Uncharted Golden Abyss n'est donc pas un jeu Naughty Dog. Depuis le début d'année, une grosse rumeur annonce l'arrivée d'un Uncharted 5 sous la directive du studio mystère Sony San Diego. Si cela s'avère être vrai, il s'agirait ainsi du 5e jeu édité par Sony d'une licence normalement développée par Naughty Dog, mais qui ne serait finalement pas de Naughty Dog. Mais il s'agirait surtout du jeu le plus important non développé par les Dogs sur une licence qui leur appartient. Depuis 1996, chaque licence de Naughty Dog a eu droit à son jeu développé par un autre studio, sauf The Last of Us. Serait-ce donc une possibilité dans les années à venir de voir un The Last of Us développé par un studio first party de Sony? Pourquoi pas? En tout cas, tous les regards sont tournés maintenant vers Crash Team Racing Nitro Fuel qui nous plongera dans nos souvenirs à partir du 21 juin sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Pour ce qui est de l'ensemble des jeux Naughty Dog non développés par les Dogs, ils seront bientôt à retrouver sur notre site dans une nouvelle section qui ouvrira prochainement. On espère que vous avez apprécié l'ouverture de la section spéciale PlayStation et que vous avez apprécié cette vidéo. La cadence va augmenter tout au long de l'année avec plusieurs vidéos dossiers comme celle-là ou des vidéos d'information comme celle de The Last of Us en janvier. Nous avons également des interviews déjà prévues et croyez-nous, l'année sera belle. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite sur notre site et les réseaux sociaux de Naughty Dog Mag. Salut à tous !